6 remèdes contre la douleur osseuse. Si vous ressentez constamment une douleur osseuse, cet article est fait pour vous. La douleur osseuse peut affecter n'importe qui, mais que pouvons-nous faire pour la calmer? Il est important de savoir que le bon fonctionnement du système osseux dépend de nombreux facteurs. Ceux-ci comprennent l'exercice, une alimentation riche en calcium et en vitamine D ainsi que les soins correspondants après une blessure, fissure ou rupture de l'os. Si l'un de ces facteurs est négligé, vous risquez de rencontrer un problème. D'un autre côté, les personnes souffrant d'ostéoporose sont plus sujettes aux blessures. Cette maladie rend les os plus faibles, à mesure que la masse osseuse diminue. Cela affecte les protéines et les sels minéraux qui la composent. Par conséquent, l'os est moins résistant et plus enclin à la rupture. Aliments riches en vitamine D. La vitamine D est celle qui favorise l'absorption du calcium par les os. Elle aide donc à la minéralisation des os. Le manque de vitamine D est dû à de mauvaises habitudes alimentaires ou à l'absence d'exposition au soleil. Cela peut provoquer des défauts dans le système osseux, conduisant à des maladies telles que le rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez l'adulte. Il affecte également le foie et affaiblit le maintien des organes car il empêche la régulation du calcium et du phosphore dans le sang. Les aliments naturels riches en vitamine D comprennent le poisson bleu. Le poisson bleu contient 5 de graisse ingérée dans vos muscles, ce qui le rend riche en protéines. À son tour, il contient entre 7 et 22 ug de vitamine D par 100 g. Dans ce groupe, nous trouvons sardines, saumon, hareng, congre. L'un des moyens les plus appropriés pour préparer cette nourriture riche en vitamine D consiste à les préparer fumées et mijotées. De cette façon, vous garderez la moindre quantité de propriétés que cette nourriture présente. Extraite du foie de morue, cette huile a été un remède essentiel contre l'arthrose, une maladie qui affecte les articulations causant douleur et inconfort dans les os. Bien qu'il ait été précédemment recommandé pour le développement du système articulaire et osseux chez les enfants, de nos jours, il est utilisé comme un supplément pour améliorer les symptômes de la douleur. Gingembre. Le gingembre est une racine avec des propriétés curatives contre diverses maladies ou échecs dans le fonctionnement du corps. Grâce à ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires naturelles, il aide à réduire la douleur causée par les maladies osseuses telles que l'arthrite. Il peut être utilisé de différentes manières, bien que les plus utilisées soient le thé au gingembre et les compresses. La racine macérée et l'eau chaude sont utilisées pour calmer la douleur de la partie affectée. Ortie. L'ortie a des propriétés diurétiques qui aident dans le processus de nettoyage du sang et aident l'inflammation des zones touchées par des douleurs articulaires ou osseuses. L'utilisation la plus courante consiste à préparer une perfusion. Ingrédients. 1 cuillère à soupe d'ortie, 15 g, 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Faire chauffer l'eau et, quand elle atteint un point d'ébullition, ajouter l'ortie. Laisser infuser 10 minutes, filtrer et boire l'infusion. Il est recommandé de boire 3 tasses par jour pour aider la circulation du sang sur la zone touchée. Camomille contre la douleur osseuse. De la même manière que l'ortie, l'huile de camomille a des propriétés anti-inflammatoires qui aideront à calmer la douleur osseuse.
appliquez la par massage et essayez de couvrir la partie de la zone touchée avec des mouvements qui aident votre circulation. Avec ces soins, vous améliorerez votre état d'inconfort dans le système osseux. Essayez aussi de faire plus d'activités physiques pour améliorer l'état de vos os. Essayez de prendre cette nourriture plus souvent, car elle est riche en calcium et sang naturel, sans gras et pleine de bienfaits. Une tasse de lait de soja le matin accompagnée de noix vous remplira d'énergie pour commencer la journée. Sur cette base, nous pouvons continuer à avoir une meilleure habitude dans notre vie ainsi que pour notre corps. Nous ne pouvons pas oublier qu'un corps et un esprit sains doivent être constamment nourris et exercés.